C'est un chien rustique, c'est un chien de berger. Donc c'est un chien, c'est pas un chien de salon. C'est-à-dire que quand on va faire des grandes promenades, même à vélo, quand ils sont jeunes comme Polly, ils courent à côté de nous, quoi. Donc voilà, c'est un chien qui effectivement est quand même, c'est un chien de berger, donc c'est un chien quand même qui est très très riche en termes d'apprentissage. Elle fait du dog dancing, elle a 3 ans, là elle fait du dog dancing, elle fait de la recherche de personnes, elle fait elle fait de l'agility. Alors du coup, Polly est la petite dernière, elle a 3 ans, Garen a 11 ans. Et je viens de perdre une bergère Shetland qui était en retraite depuis 2 ans, qui effectivement avait 13 ans. Ça c'est bien, ouais. Oui, blanche. Oui, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. 8. Ouais, pied. Reste. J'ai fait le choix de prendre les chiens au départ, de les avoir chiots et d'essayer de les faire à ma main, enfin en tout cas avec ce dont j'ai besoin en fait. Et j'ai besoin pour ça d'avoir quand même l'histoire du chien depuis le départ. Donc les chiens, je les prends chez des éleveurs de très grande qualité qui ont ça en tête, qui savent aussi ça va être des chiens médiateurs et du coup qui m'aident aussi dans le choix du chien, dans le choix des parents du chien et dans toute l'histoire avant qu'il arrive chez moi, quoi. Tunnel. Allez, hop. Allez, saute. Bien, ouais, oui. Hop, oui, allez, gagne. On y va. Oui, ça c'est bien. Ouais, très bien, bien. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, petit chien. Ouais, ça c'est bien. Ouais, t'as gagné. Ouais, c'est bien. Comment? Ouais, c'est très bien. C'est bien. Shetland, c'est fait pour la ville ou pour la lande? C'est fait pour les deux. Je pense qu'un Shetland peut très bien vivre en ville si on n'oublie pas quand même que c'est pas un chien de salon et qu'il a vraiment besoin d'aller se promener, d'aller jouer, de rencontrer des conteneurs ou de développer des activités. Reste. Tu recule. Non. C'est bien, voilà. Reste. Monte. Descends. Viens. Ouais, assis. Très très bien. Couché. Reste doucement. Doucement, reste. C'est bien ça. Oui, ça c'est très très bien. Là, reste. Reste. Très très bien. Debout. Recule. Bien. Recule. Oh là, c'est beaucoup d'aboiement ça. Et au niveau format, c'est quoi à peu près le poids du chien? Non, c'est 7-8 kilos quoi. D'accord, les inconvénients? Les inconvénients, c'est peut-être que ça perd beaucoup de poils, enfin beaucoup de poils, pas plus qu'un berger belge, mais c'est comme ça, beaucoup de poils, ça perd beaucoup de poils. D'accord, il y a une grosse densité de poils, il y a un double poil ou pas? Ouais. D'accord, donc il faut quand même brosser. Ouais, voilà, il faut brosser. Par contre, on lave pas, on toilette pas, on brosse. Tu brosses tous les combien? Ben, tous les 2-3 jours. Ouais. Ah, tous les 2-3 jours. Ouais, donc après, sinon ça fait des nœuds. Même les brosses aussi. Non, alors c'est pas que ça fait des nœuds, c'est que ben aussi au niveau bourre en dessous, tout ça, c'est. D'accord, t'as pas comme les shih tzu, tout ça, des nœuds non, qui non, vont non, se former. Peut-être juste derrière les oreilles, mais sinon c'est un chien très facile à entretenir. Oui, ça c'est bien. Tu serais pas un peu en train de manger du croquage, on va dire.